Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa, nous sommes dans la joie de nous réveiller ce matin et de demeurer toujours et encore dans ta présence. Nous sommes dans la joie de nous rassembler en ton nom, Jésus. Nous sommes dans la joie de vivre dans la paix, avec une paix du cœur. Nous sommes heureux, même dans le manque, Jésus, de savoir que tu es notre Dieu, de savoir que tu es notre Maître et que nous ne manquerons de rien. Tu es notre berger, tu nous conduis dans de verts pâturages, tu nous protèges, tu nous guides, tu prends soin de nos vies et de nos cœurs. Tous nos soucis, tous nos besoins, avant même que nous n'élevions la voix pour te le dire, Jésus, tu les connais. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi en ce matin, je te souhaite une merveilleuse journée déjà et je demande au Seigneur de combler et de bénir tous tes allées et tes venues. Tout ce que tu vas faire durant cette journée, que le Seigneur y appose sa gloire afin que tu n'aies que des résultats positifs et la victoire en toutes choses au nom de Jésus. Il est le troupeau. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Nous sommes le troupeau, les brebis que sa main conduit. Alors laisse-toi conduire par le Seigneur. Laisse-toi complètement conduire par le Seigneur. Ne résiste pas à sa voix lorsqu'il te parle. Ne résiste pas à sa volonté, à ses directions. Mais donne-lui toute ta vie. Alléluia. Que sa main conduit le troupeau, que sa main conduit. Prosternons-nous devant le roi, fléchissons les genoux devant le Père. Le troupeau que sa main conduit, le troupeau que sa main conduit. Seigneur, nous te tendons la main en ce matin. Seigneur, nous te tendons nos mains en ce matin. Parce que tu es notre papa et nous savons que toutes les décisions que tu prends pour nos vies sont des décisions responsables, sont une volonté responsable pour nous. Parce que tu as un plan de bonheur et de réussite pour chacun d'entre nous. Et nous savons, Seigneur, que si nous te faisons confiance, tu ne nous décevras jamais. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu et tu es le Dieu véritable. Alléluia. Le troupeau, nous sommes le troupeau. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu Alpha
lorsque tu es en train de le chanter en lui disant que tu es Yahweh. Tu lui dis que tu es Je suis, parce que c'est lui qui s'est révélé comme ça. Il a dit que son nom c'est Je suis. C'est parce qu'il est en toute chose dans ta vie. C'est parce qu'il est à tout moment et en tout lieu dans ta vie. Il n'est pas dans le temps, parce que c'est lui qui a créé le temps. Il est le Dieu de toute éternité, le Dieu des temps et des circonstances, le Dieu que rien ne peut surprendre, parce qu'il est au commencement et il est à la fin. Il est un berger responsable, il est un papa responsable. C'est pourquoi en ce matin, s'il y avait quelque chose qui te tourmentait, alors cela, nous le chassons dans le nom de Jésus. Et maintenant, prends la paix que Dieu te donne. Prends la joie que Dieu te donne, parce qu'il est Yahweh. Ah, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la seigneurie de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que sans Dieu, il ne peut rien faire? Est-ce que quelqu'un peut reconnaître que sans son Père, il ne peut pas vivre heureux? Alors Seigneur, tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es notre berger et tu nous conduis vers de belles choses. Alors mon frère, ma soeur, passe une excellente journée. Crois en ton Dieu. Et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Donne-lui tout ton cœur, donne-lui toute ta vie et adore Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, merci. Fais-nous être des témoins véritables de ta parole et de ta présence dans ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.